Il y a des fanatiques de sang-froid. Ce sont les juges qui condamnent à la mort ceux qui n'ont d'autre crime que de ne pas penser comme eux. C'est là qu'ils l'ont torturé et brûlé, et ses cendres dispersées au vent. Brûler le chevalier pouvait se concevoir dans l'air du temps, mais que c'était brûler le livre, qui était beaucoup plus important. Le peuple était venu à l'exécution du chevalier pour le voir condamné, pour le voir puni de tant... blasphème. C'est un symbole, la barre, et rien d'autre. C'était un jeune inconscient qui a eu tort d'avoir dans ses papiers le dictionnaire philosophique de Voltaire.